les copains, allez c'est reparti, Coupe du Monde, Avanta en Finlande. Alors vous avez pu suivre le jeudi et le vendredi, là aujourd'hui c'est samedi matin. On part du logement, on va aller au circuit, essai libre, essai chrono, on est chaud. Et puis voilà, on va essayer il va essayer de se placer au mieux pour faire un bon chrono et avoir une bonne place sur la grille. Et demain les choses sérieuses avec un warm-up et les deux manches. Allez c'est parti. Voilà, grosse discussion. Les gars, ils veulent savoir un petit peu qui aura l'année prochaine dans le team. Je vais leur dire, mais dans 3 semaines. On est samedi matin, on vient d'arriver sur la piste. On regarde les 65 rouler un peu. Je roule dans 1 heure, donc là on va commencer à aller se préparer. Et puis n'oubliez pas, le gaz, c'est pas dans le slip. Bon, ça craque biloute ou quoi? Ça craque biloute, comme t'as jamais vu, hein. Chris et Michim sont parmi nous, voilà, supporters, fidèles supporters du 737 Performance, sont venus jusqu'en Finlande pour supporter le Team France. Voilà, ça nous fait chaud au cœur. Là on regarde les 85 juste avant sa session. Il y a un pilote qui roule avec Matisse. Alors il est déjà grand 525. Il est redescendu juste pour l'occasion de la Coupe du Monde en 85. Je vais vous le montrer là juste après. C'est un géant 185. Bon, vous avez vu, je vous avais pas menti, c'est abusé. Il doit faire, 1m85, 185. Allez, c'est parti, les choses sérieuses commencent. Premier essai de cette Coupe du Monde, let's go. Allez, retour du premier essai on va dire positif.
joli gif parce que je vois un Matisse relâché. Alors au début un petit peu d'embrayage, un petit point faible, il s'est arrêté, on en a discuté. Voilà, maintenant il repart avec une quatrième place de son premier essai libre. Et là on est dedans, c'est top. Et voilà, après on a le premier essai chrono qui là sera très important puisque ça fera le placement pour la veille. Ça dit P4 si j'arrive à lire, parce que moi c'est un peu la kermesse des écrans. Et P4, et il s'est mis dedans et ça va, de bonne augure pour ce week-end. Après, il va sécher ton maillot si tu veux le remettre. Après, t'as trouvé pour moi la solution pour rouler vite, c'est ce que tu me faisais à la fin. C'est pas toucher au frein et pas embrayer. Exactement. En fait, les trous, ils sont tellement des petits trous vicieux là que laisser couler la moto comme tu fais, c'est ce qui va fonctionner. Franchement, je pensais pas que c'était aussi démonté. On dirait pas, mais c'est bien défoncé. D'ailleurs. Là, si, ça va se défoncer. Et... très bonne première sensation et c'est top. Vraiment, allez, un petit peu de force là pour. Pour cet après-midi, chrono à 15h, puis avec des petits zigotos pareil, il faut prendre des forces. D'ailleurs, on va prendre un peu la température du lieu. J'ai l'impression qu'il fait un peu meilleur aujourd'hui. Fais voir Lian. Fais voir. Ah, il fait légèrement froid quand même. Mais pep. Fatigué ou quoi? La séance d'essai libre s'est bien passée. Au début c'était un peu plus compliqué, j'avais du mal à bien trouver les traces, la texture de la piste était assez bizarre. Donc je me suis arrêté, on a parlé, ça a été mieux, donc j'ai fait 4ème de mon groupe à 0,5 de la pole, donc c'est positif. Maintenant ça va être les chronos et puis on va faire un gros temps pour être bien placé demain. Là tu fais du chemin. On fait le tour de piste et c'est vrai que ça se creuse un peu plus que prévu. En fait, le sable est légèrement plus mou. Mais c'est pas plus mal parce que c'est une piste très rapide et au moins ça va faire quelques différences. On va prendre l'appel au milieu. La séance chrono, c'est maintenant. Allez, go! Voilà, alors on revient des chronos là, Mathis fait 9, c'est serré, il y a du monde et puis tout le monde met du gaz et du coup il est fini à une seconde de la deuxième place, donc c'est serré. Ça y est, on revient des chronos, donc un peu plus compliqué cette fois-ci, la piste était un peu plus défoncée. Mais bon, c'est toujours autant rapide, tout le monde roule vite, donc pas grave. On fait 9ème, ça aura une bonne place sur la grille, il y a une seconde de la deuxième place, donc on reste positif. Et les courses, c'est demain, donc maintenant rendez-vous à demain. Bon, cette séance chrono, c'est plutôt bien passé. Hein, le circuit carrément plus percé, donc par rapport à ce matin, ça n'a rien à voir. Mais le feeling était bon, très très serré, il est à une seconde de la deuxième place.
Donc voilà, il n'y a que le premier qui a fait un gros tour. Donc il fait 9e de son groupe, ce qui permet quand même d'avoir une assez bonne place sur la grille, sachant qu'il y a une vingtaine de places de bonnes pour demain. Bon, la journée du samedi c'est terminé, une journée qui s'est bien passée. Je vous donne rendez-vous demain pour suivre les deux manches de cette Coupe du Monde en Finlande.